Coucou! Alors, je m'adresse aujourd'hui à celles qui sont, ils ont déjà un business en ligne ou un business tout court et qui veulent voir comment on organise ou donne un challenge. Typiquement, on va donner un challenge, et c'est ce que j'ai fait dans le passé, un challenge de 5 jours. À quoi ça sert? Ça sert évidemment à travailler ensemble avec les gens qui ont envie de travailler avec nous, de leur montrer un peu ce qu'on fait, avec quelle énergie on le fait et comment organiser ça. C'est très, très simple. C'est vraiment à la portée de tout le monde et c'est absolument génial pour pouvoir travailler avec des gens qu'on ne connaît pas encore, qu'eux, ils puissent faire notre connaissance. C'est un peu comme un cours d'initiation, un cours découverte que les gens qui viennent à mon cours de danse, ben, ils ont toujours droit à faire un cours avec moi gratuitement et puis après, elles peuvent décider si elles veulent continuer mes cours de danse, typiquement. Et au niveau online, eh ben, un challenge est un peu quelque chose comme ça. Tu sens la température. En plus, tu es dans un groupe, donc tu as plein d'avantages à le faire. Si ça t'intéresse d'apprendre comment faire ça ou de je ne vais pas te donner un cours sur ça, mais de voir comment on fait, je t'invite à t'inscrire avec le lien que j'ai mis ici, rejoindre le groupe. Donc, tu reçois un mini cours gratuit sur ça avec 3 gestes pour te connecter à la puissance du féminin sacré. Super ce cours. Et là aussi, tu peux regarder. Moi, c'est ce que je fais toujours. Je m'inscris à plein de cours, à des choses que je veux apprendre. Mais en même temps, je regarde comment la personne fait. J'apprends tellement de choses sur les 2 niveaux. Donc, je t'invite à faire ça, évidemment. Si tu n'as pas une activité, si tu aimes juste ce que je fais et que tu attendais comme ça ce que je faisais prochainement, eh ben, c'est le moment pour toi de t'inscrire à cette... là où j'ai mis le lien. Je n'ai toujours pas encore fait une page proprement dite pour mon challenge. Mais inscris-toi, tu vas recevoir un email où je vais l'expliquer. Mais en bref, ce qu'on va faire... Cette fois-ci, c'est un challenge de 21 jours. Pour moi, ça, c'est nouveau aussi, mais j'ai fait dernièrement, l'année dernière, et maintenant, au mois de janvier, j'ai fait 2 fois des challenges de 21 jours. C'était juste génial et fabuleux. Et je me dis, OK, ça, c'est la même chose que je vais faire avec les personnes qui veulent travailler sur le féminin sacré, travailler avec moi dans une sororité, dans un groupe Facebook. Et cette fois-ci, le sujet qui est tout à fait d'actualité, parce que tout le monde fait des cures de printemps, eh ben, c'est une autre sorte de cure de printemps. C'est vraiment aborder le corps, travailler avec le corps, avec des petites choses que tu peux faire sur 21 jours pour vraiment rentrer dans ce corps comme tu rentres dans un temple sacré. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. C'est une pratique que moi, j'ai quasiment tous les jours, soit le matin avec un rituel, soit le soir, soit pendant les cours du féminin sacré que je donne. Donc, c'est magnifique. Ça transforme toute ta vie et ça peut aller vraiment en profondeur. Et en 21 jours, on arrive à vraiment faire beaucoup de choses. Donc, tu as l'occasion de t'inscrire via le lien. Reste ici. Vigilance ce qui se passe sur la page parce que certainement, bientôt, j'aurai fait cette page qui te donne l'information sur quoi on va travailler. Et 21 jours, chaque jour, une petite chose que tu reçois, une petite tâche à faire et tu peux partager si tu as envie dans le groupe Facebook, évidemment, l'aventure, ton vécu. Et ça, c'est un élément qui est vraiment essentiel. Sinon, on est quand même toujours seul derrière son ordinateur ou seul dans sa cuisine ou seul, je ne sais pas moi, où on travaille, sauf si tu travailles tout le temps en groupe. Mais sur ce sujet-là, souvent, on n'a pas fréquemment l'occasion de se rendre quelque part dans une sororité ou un cercle de femmes ou quelque chose comme ça. Donc voilà, la prochaine aventure, elle est bien lancée. Ça va commencer mercredi prochain. Donc inscris-toi déjà dans ma mailing list. Tu es dans la mailing list. Ouvre tes yeux. Ouvre mes emails d'ici mercredi pour pouvoir rejoindre ce challenge, savoir de quoi il s'agit. Et de toute façon, comme il est gratuit, tu peux le rejoindre sans aucun obstacle. Je pense qu'il va y avoir aucun obstacle pour pouvoir participer à cela. Donc, je vais répéter ici pour toutes celles qui pensent un jour ou veulent voir comment on fait ça, mais inscrivez-vous. De toute façon, vous aurez certainement un plaisir à recevoir ces petites tâches, mais je tiens à faire ça d'une manière vraiment beau,
J'aime bien quand c'est beau, donc j'y travaille beaucoup, c'est pour ça que je ne suis pas prête. Et ça mijote comme ça depuis longtemps. Mais ce sera vraiment chouette. Donc je me réjouis de pouvoir te l'offrir. Si tu veux donc voir, je vais parler un peu dans le groupe Porteuse de Lumière de Behind the Scenes, ce qui se passe là, moi, avec mon ordinateur en préparation de ce challenge. Et donc si ça t'intéresse, mais bien nous rejoindre tout de suite dans ce groupe Facebook. Et si tu ne sais pas où il est, si tu ne sais pas comment le trouver, mets-moi un commentaire. Moi, je vais te invité directement dans ce groupe et comme ça tu peux apprendre ou enfin tu peux écouter comment je le fais. Je le partage vraiment avec plaisir parce que c'est quelque chose de magnifique à faire et je pousse toujours tout le monde à être visible, à se servir des réseaux sociaux pour pouvoir donner tout ce que nous avons à donner. Et là, il y a une telle richesse là-dehors, une telle richesse dans mon groupe de porteuses de lumière que c'est vraiment, je dois les pousser. C'est clair que je dois pousser pour que ça se fasse, pour que toi, tu puisses en profiter de voir toutes ces femmes, toutes ces magnifiques femmes actives à nous enseigner tout ce qu'elles ont de magnifique à donner. J'espère que toi aussi, tu te considères comme une porteuse de lumière et que tu vas nous rejoindre aussi bien dans le groupe qu'après dans ce challenge. Voilà, je te souhaite une belle soirée. Demain, il y a mon cours du féminin sacré à Bruxelles. Ça, il y a encore des places. Si jamais tu es à Bruxelles, tu peux t'inscrire pour un cours découverte. Après, voir si tu as envie de participer dans cette sororité et de danser et de t'approcher de ce féminin sacré, de ta fluidité, la dignité, l'énergie sauvage, tous ces sujets qui nous tiennent et qui me tiennent très, très, très à cœur. Et c'est magnifique. Bien. À bientôt!